et ont été général Chouans, qui sont morts, guillotinés sur la place de Rennes. Donc la révolution et moi, ça va pas. Et on fait du 18e avec madame. Mais l'empereur reste l'empereur, nous sommes des bonapartistes, madame. Dans la famille, après, nous sommes tous des bonapartistes. C'est chouette, hein? C'est la première fois que vous faites ça? Non, non? Troisième fois. Ah. On est très imprégnés de l'Europe, de l'histoire, pour vivre sa passion.
avait de mettre sur le trône le fils de l'empereur. Et Napoléon III était le neveu de l'empereur, et n'était pas son fils. Voilà. Donc la chose qu'il voulait faire, c'était de mettre le roi de Rome sur le trône. C'était logique, c'était une grosse logique. Parce qu'il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, on voulait revenir à l'Empire. C'était logique. Et donc, en Autriche, on ne l'a pas vu comme ça, et politiquement, on s'est dit, c'est pas bon. Donc, d'après certains historiens, on aurait éliminé les Glons de façon à ce que... Mais bon, ils n'ont pas eu trop d'Apollon III qui le relais. Bon, plus ou moins bien, on est d'accord. On peut pas regarder son corps aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Si. Alors, qui a ramené les Glons? Et c'est là que c'est formidable, madame. Et c'est là que c'est formidable, madame. Qui a ramené les Glons? Ben, je vais vous le dire. L'Aiglon est mort en Autriche, en fait, enterré en Autriche. Il a été ramené en France, il est aux Invalides, en face de son père. Vous voyez le tombeau? Il est juste en face de son père, et celui qui l'a fait ramener, c'est Hitler. Oui, madame. Parce qu'il faut savoir... Non, mais madame, je vais vous dire une bonne chose, c'est que les Allemands ont toujours voué un culte à Napoléon Ier. Eh oui, madame. Et donc, c'est Hitler, Adolf Hitler, qui a fait ramener le corps du roi de Rome. Voyez-vous, on ne sait pas tout parce qu'on nous raconte beaucoup de choses dans les histoires. Les historiens, certains sont très bons, certains sont très mauvais, on va dire même des nuls. Et on écoute souvent les nuls et on n'écoute pas les autres. Et Hitler a fait revenir. Il a dit sa place, c'est avec son père. Et donc l'Aiglon est à côté de son père. Il est en face. Vous allez combien les aux Invalides? Vous rentrez dans le dôme, en bas, ou au-dessus. Vous descendez, vous avez des maréchaux, vous avez tout ça, d'accord? Et en face son père, le tombeau étant comme ça, en face son père, bah vous avez des glons. On pourrait prendre un petit parcelle pour voir si ça a été empoisonné. On a dit que Napoléon avait été empoisonné au mérite, c'est pareil. Alors, comme avant, j'utilisais beaucoup de mercure. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'empereur. L'histoire de l'empereur est assez particulière. L'empereur sur l'île de Saint-Hélène, vous savez que l'empereur ne buvait que du jeune du chambertin. Il ne buvait que ça, mais il ne buvait que buvait avec de l'eau. Le seul. Et oui, c'est un crime ça. Bon, il buvait du vin vrai comme ça. Et bien sûr que sur Sainte-Hélène, on ne pouvait pas avoir du jeune chambertin comme ça. C'était vraiment pas possible. Donc on a trouvé un vin similaire, et celui qui le mettait en carafe pour l'empereur était Montholon. Et un jour, il y a le médecin Automarchi qui a trouvé Montholon en train de mettre un produit dans la carafe et mettre le vin après. Et il s'est dit, c'est quand même bizarre. Donc il s'est aperçu que c'était de l'arsenic. Ah, poison. Voilà. Et donc Montholon aurait... Mais je suis à peu près sûr que c'est vrai. Assassiné Automarchi, donc le médecin de l'empereur, et aurait également assassiné sa maîtresse qui était anglaise, parce que sur l'oreiller, on se confie. Voilà. Il y a tous les deux. Après, l'empereur l'a renvoyé, pour une autre histoire, il l'a renvoyé en France, parce que l'empereur, à Sainte-Hélène, a eu deux filles. Vous ne savez pas ça, hein? Eh bien, il a eu deux filles avec la femme de Montholon. Une qui s'appelait Joséphine et une qui s'appelait Marie-Louise. Ah, c'est extraordinaire, hein. Et donc, quand on est reparti, et l'empereur est mort, mais il est mort avec l'arsenic. Là, il avait trop d'arsenic. Quand on l'a repris en 1840, on a ouvert le cercueil, il est arrivé en France en 1841, quand on a ouvert le cercueil en 1840, on s'est aperçu que l'empereur n'avait pas bougé un poil, comme s'il dormait. Alors, les polémiques sur les 5 cercueils, les 7 cercueils, tout ça, c'est du cinéma, c'est du bidon. Hein, parce que ceux qui, les rétracteurs qui disent oui, c'était pas l'empereur qui est dans le cercueil, quand on leur dit on va faire un test ADN, ils disent surtout pas, parce que ça fait vendre. Donc l'empereur est bien ici, et donc il était tellement pris d'arsenic que son corps, c'est quelqu'un qui dormait à l'époque. Il était complètement conservé par l'arsenic. Donc là, il est là aujourd'hui. C'est lui. L'année prochaine, on fera quelque chose de grandiose. On aura surtout, nous, les vieux, les vieilles moustaches, on aura la larme à l'œil.
c'est notre empereur, parce que moi je peux vous dire, madame, c'est notre empereur. Ah oui. Ah ouais, moi je suis. Moi je suis un Bonaparte, je dis, c'est notre empereur. Et la. Voilà, on essaye de faire revenir en ce moment Napoléon III. Napoléon III est en Angleterre. Avec sa femme et son fils. On essaye de les faire revenir. C'est très compliqué. Très très compliqué. Mais on essaie. Les mettre où ? Bah, aux Invalides. On aurait. La famille. Aurait tonton, on aurait. Voilà. On aurait la famille. La famille. Mais, oui. Et alors, en Italie, là, le roi de c'était un beau frère. Ah, le roi d'honneur, c'est Murat. C'est Murat. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se trouve, cette affaire ? Comment vous avez tiré partout ? Alors, il a... Ça, non, non. C'est-à-dire que la campagne de Russie, Murat était vraiment très absent le soir. Et l'empereur lui a dit, Murat, t'es à mon service, t'es à mon service jusqu'à 18h, après tu fais ce que tu veux. Et Murat est parti. Murat est parti. Murat, maréchal de France. Et quand l'empereur est revenu en 1815 par Golfe Juan, il s'est présenté à l'empereur en disant « Sire, je reviens vers toi, je reviens et je veux combattre. » Et là, l'empereur a fait une belle erreur, la plus grosse erreur qu'il a faite de sa vie, en disant à Murat « Mais j'ai pas besoin de toi, t'es parti, tu t'en vas, tu retournes dans ton royaume, je suis pour toi. » Et il a pris le maréchal Ney. Qui avait dit à Louis XVIII, je vais vous le ramener dans une cage. Bah oui, bon, il fait qu'à la frette, Ney a ouvert les bras à l'empereur, sire, ce qu'il lui a vendu, ce qui lui a valu d'être fusillé, pas très loin d'ailleurs. Il y a d'ailleurs un panneau sur le mur. Le maréchal a dit au cœur, messieurs. Il a condamné le feu de lui-même. Visez le cœur, messieurs, feu. Et Murat est reparti dans son royaume. Il n'a pas servi l'empereur. L'empereur n'en voulait plus. Et il a été fusillé à Naples. Donc ils ont épargné sa femme, ses enfants. Mais lui a été fusillé. Et il a dit une chose extraordinaire, il a dit pareil. Parce que Murat était un beau mec, hein. Il était très beau mec, comme mec, hein. Il avait les cheveux bouclés, il était bouclé, c'était une beauté ce mec. Et il a dit, évitez la figure, visez au cœur. C'est les Italiens qui l'ont. C'est les Italiens qui l'ont. Pas les Italiens, c'était pas l'Italie, il y avait l'Italie encore. C'était le royaume de Naples, c'est le royaume de Naples. Là, qu'il l'a fusillé. Ils l'ont fusillé sur une plateforme. Ah, parce que à l'époque, tout le monde s'est retourné, l'Autriche était derrière, et voilà. Donc, voilà. Et donc Murat, et voilà. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a, contrairement à ce que me disait Philippe tout à l'heure, il y a toujours une noblesse impériale, quoi qu'il en soit. La noblesse impériale existe toujours, et donc on a les Murat, les églises, qui sont là. On a les Masséna, on a Christophe Bonaparte, qui est le septième du nom, qui est le prétendant du trône impérial, qu'on verra l'année prochaine, le 5 mai aux Invalides pour l'anniversaire de Rome. Il y a toujours une descendance. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout à l'heure, il n'y a plus de noblesse d'empire. Si, il y a toujours une noblesse d'empire. Non, mon ami, là, mon petit camarade, il y a toujours une noblesse. Comme il y a toujours une noblesse, tout court, oui. Ancien Régime. Il y a eu une noblesse d'Ancien Régime, madame. Je viens vous en parler. Il y a une noblesse, vous aussi. Bien. Je vois que vous aimez beaucoup la Révolution, vous aussi. Je déteste. Bah, vous êtes comme moi. Et donc, cette noblesse d'Ancien Régime a rallié pour certains l'Empire et est devenue aussi noblesse impériale. Oui, pourquoi pas, oui. Elle est devenue noblesse impériale. Ouais, mais les ancêtres sont des descendants de noblesse ancien régime, mais aussi noblesse impériale. Non, mais moi je trouve
Non, ils n'entendent pas beaucoup, malheureusement. Mais l'empereur, bon, l'empereur, on l'aime ou on l'aime pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il fait parler. Ça, il fait parler, ça, c'est sûr. Ça, il fait parler. Et puis du 150 ans. Et il fait parler. Non, mais c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. On a écrit plus rapide, sur lui l'Empire, intellectuellement. Mais sur l'empereur, surtout, qu'on a écrit sur le Christ. Alors, il y a du bon, il y a du moyen, il y a du très mauvais. Ben c'est lui qui a fait toute l'organisation administrative de l'Europe. Tout. Hein. C'est les lois, les lois. L'Europe, c'est lui. Ben oui, la, le père de l'Europe, c'est napoléonienne. C'est tout à fait ça. Je le file, père de l'Europe, file. C'est Napoléon Ier. Ben oui, non, mais je suis on dit pas. Des... Le code civil, le code du commerce, que... tous les codes... Vous avez raison, descendez un petit peu. Attention, on marche. Soyez un peu, là, soyez. Ah, c'est Napoléon aussi. C'est la première fois qu'on vous voit. Non, ça fait déjà, pour ma part, ça fait trois fois. Et ben moi, je vous ai pas. Madame, ça fait deux fois. Vous êtes, c'est-à-dire on venait, que nous, on venait tous, vous êtes. Départ, ah, c'est pour ça que nous, on venait. Et je suis là, comme c'est l'anniversaire de mon petit camarade. On va laisser passer les gens. On a des mois qui sont réservés en face, là-bas. Et je lui dis, j'ai réservé pour toi, donc on va là. Et on a mangé en face, là. On a mangé là, et... Vous avez eu du succès. Alors, vous avez un hussard en bleu, là. Et le comique, là, c'est un sergent-major de la vie. Vous êtes encore là-dedans ? Non. Non, que aujourd'hui. Allez, parce que vous voulez signer, vous voulez vous engager. Comment ? Non, non, mais... Non. Voilà, madame. Pour marcher avec ça, ça doit merci, être... messieurs, dames. Merci, bonne continuation. Également. Et défendez bien votre empereur. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.